beau rouge, cette tomate. Moi, salut. Ton orange. Aujourd'hui, les amis, nous allons découvrir... pardon. Nous allons donc découvrir... Messire Panet. Oh yeah, il est de retour. Le panet est de nouveau dans vos fours. Gentes demoiselles, salutations. La classe. Oui, donc, je disais... Non, c'est moi qui disais. L'incroyable Messire Panet, que dis-je? L'exceptionnel Messire Panet est donc de retour. Où sont mes bouchons d'oreille? Ouf, ça fait du bien. Eh oui, si le panet se prend pour un chevalier du goût, c'est parce qu'il était très consommé au Moyen-Âge. Savais-tu que le panet poussait dans le potager? Je vais libérer Excalibur, la légendaire épée, et je deviendrai le roi de l'étal. Oui, j'ai réussi. Je suis le roi du potager. Non mais ça va pas bien de me tirer les cheveux. Oups. Les fans du panet peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Messire panet, il est l'heure de vous lever. Messire panet, debout panet. Mort diable, laisse-moi dormir. 1 mètre? Oh, c'est fou quand même. Bref, intéressons-nous à la famille du panet. La, voilà les chevaliers de la table ronde. Comme la betterave et la carotte, le panet fait partie de la grande famille des légumes racines. Mais elle est pas ronde cette table. On est quand même les chevaliers de la table ronde, quoi. Oui, bah, désolé, mais il n'y avait plus que des tables carrées au magasin. Bien que ce soit un légume, le panet contient une bonne dose de sucre. Mais d'où vient cette délicate musique? Oh, la phrase au bois dormant. Par un doux baiser, je m'en vais la réveiller. Plein de sucre dit plein d'énergie. Je suis réveillée. Oh bah mince, c'était pas prévu ça. Et faisant fi du danger, je partis combattre le dragon lapin qui crache des carottes. Cette chips molle aux grandes dents ne me faisait pas peur. Non, c'est lui qui tremblait. Oulala. Oh. Au secours, le dragon lapin. Le panet est évidemment délicieux en soupe. Je me suis bien camouflé, il est parti. Pour être un parfait chevalier de l'étalage, il faut savoir viser juste. Démonstration. Dans le mille. Comme vous le voyez, notre star du jour peut aussi faire une succulente purée. Chevalier panet, le dragon lapin m'attaque. J'arrive, mamie. Prends garde à toi, dragon lapin. On m'avait pas dit qu'il crachait aussi du feu. Eh oui, plus surprenant, le panet peut se déguster en crème brûlée. Bon, c'est maintenant l'heure de passer aux questions du jour. Dans quel endroit peut-on voir le panet pousser? Bien joué, dans le potager. Mais te souviens-tu de quelle longueur ces fans peuvent être? Eh oui, 1 mètre. Enfin, que contient le panet? Un indice, ça permet de faire le plein d'énergie. Ouille! Du sucre, c'est gagné! Youpi! Avant de partir, les amis, je vais vous adouber. Je vous fais chevalier de l'étal. Merci, messire panet, c'est trop d'honneur. Oh, c'est malin. Bon, on n'a plus qu'à se dire au revoir. Et à table, les enfants!